aujourd'hui peut être l'exploration urbex. C'est un grand bâtiment. Nicole, mais je veux faire l'amour. Mais moi je veux faire l'amour. La clinique du diable. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo urbex. Venez visiter avec nous cet ancien hôpital abandonné. Ah, et je précisais que c'était tourné en 2021. Mon ami ici présent, Kurpistar, initialement ne voulait pas se montrer pendant cette vidéo. Mais une fois que ma chaîne YouTube aurait atteint 1000 abonnés, il pourrait montrer sa tête. Étant donné que la chaîne YouTube a dépassé les 1000 abonnés, vous comprenez donc pourquoi je vous sors cette vidéo. Cette vidéo n'est pas dédiée aux 1000 abonnés, c'est juste que nous avions prévu de sortir cette vidéo à partir du moment que la chaîne avait atteint les 1000 abonnés. Je vous souhaite un bon visionnage. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Regarde ton zizi. Ouh, on a un beau plan. Il y a des gens en dessous quand ils sont trop puissants en bagnole, gros, ils nous ont regardé trop bien. Venez avec moi. Je vous emmerde. Ouais, je vous emmerde exactement. Un set border. On peut tout faire. Non, je suis pas comme ça. On va explorer moult de pièces de ce bâtiment abandonné. Il est très grand. Vous pouvez voir le bâtiment, mais je vous emmène tout de suite dans les bâtiments les plus intéressants, qui est la cave, la piscine et puis le grenier. Venez avec moi. Mais non, c'est figuré que tu pourras ajouter le connard préféré de YouTube. C'est-à-dire moi. Ah oui, mais t'es pas là, tu le filmes pas. Bah je me filme pas, mais on entend ma voix, je suis en featuring quand même. Il me filme moi, mais il le montre lui. Oh, il est rigolo. En featuring avec moi-même, je vous pisse à l'arrêt. Je parle bien évidemment du caméraman et de l'acteur principal. Ta gueule. Mal formé, là. J'espère qu'on l'entendra celui-là. Et donc du coup, on est dans le château de Mestricu. Comment des Mestricu? Ouais. C'est Mestricu. Enfin bref, la vampire dans Resident Evil 8. Wit, comme diraient nos amis belges. Bon, du coup, on va à la piscine. Piscine. Puis piscine partie. La fameuse piscine. Et c'est immense, c'est stylé. Pique décor. Est-ce que tu peux faire un petit plan sur sur la vallée, s'il te plaît? Merci. Ça va, écoute. Chaque fois que tu fais une vidéo, faut que je vais te foutre la merde. Et j'ai fait des questions. C'est quand même assez sympa. Je pensais que t'avais pas te montrer, toi, là-bas. Mais pour faire du coup. Je suis censé te montrer beaucoup plus tard. Sur la chaîne, initialement. Bah, du coup, on sait pas que t'es qui. Bah, je suis un connard. On va reconnaître ma voix, je suppose. Bah, du coup, tout le monde sait que maintenant, je suis plus petit qu'en vrai. Ouais, t'es petit. Je suis moins imposant. Il fait 1m50. Moi, je fais 1m50. Je fais 1m25. Prends la pause, elle est nickel. Le best-of de moi en train de danser, tu l'enlèves. Message de la France, non. Ouh, ouh, ouh. Pardon, j'aimerais quand même mentionner le fait que le bâtiment n'est plus visitable, il a été racheté récemment. J'aimerais profiter de cette vidéo pour vous montrer des images exclusives d'Urbex, qui finalement n'a pas eu lieu. Mais tout de suite, moi qui joue du piano. Moi quand je lâche une caisse. Véronique, faites un infarctus. Ressenti, alors, ça glisse, Alice ça glisse, ouais, comme Francky Vincent. Hashtag no ads, on s'est perdu. Complètement paumé là, allez, allez. C'est bon. Bon, c'est pas tout, mais on va mettre ça très tôt. Ah! Putain, je me suis fait enculer par Didier Deschamps. Salut! J'aimerais beaucoup me masturber dans ta bouche! Allez, on reprend la vidéo!
abonnés. Oui, je sais que vous voyez souvent mon dos, mais en même temps, je peux pas juste marcher comme ça sans faire attention au gravat. Casser la gueule, si tu veux, je te porte. Hein, le grenier, donc on vous amène au grenier, donc il y a plusieurs étages. Donc ici, vous pouvez voir, en fait, les salles se ressemblent énormément. Hein, c'est principalement des chambres. Ouais, des chambres et puis des chiottes en fait. Hein. Ouais, ça reste à. Oui, préciser, c'est un hôpital abandonné. Oui. Alors oui, si vous posez la question pourquoi j'ai un bâton dans les mains, c'est tout simplement pour ouvrir les portes, éviter de toucher des trucs pour me blesser ou je ne sais pas. Vous pouvez voir ici que les bâtiments sont boulés. Bah oui, parce que là pour le coup on est vraiment à l'avant-dernier étage. On va se retrouver dans le grenier. C'est par là. Ah, je suis KSDX, un chasseur de fantômes un peu particulier. Ah, ici c'est isolé, tout est pété, hein. On va juste se retrouver jusqu'au bout du grenier, mais bon, on va pas trop traîner non plus. Nicole! Nicole, je veux pas dormir, j'ai envie de toi! Nicole! Mais. Ouvre! Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! T'es complètement malade! Si on referme la porte, le pauvre caméraman, il ira pas bien loin. Voici le grenier, donc du coup, de l'hôpital abandonné. On vous emmène tout de suite à la cave! Ouah. Oh cool! Oh. On est des acteurs, mon gars! Alors, on va dans l'endroit le plus flippant, qui est la cave. C'est très sombre, en espérant que les plans seront assez éclairés. On va laisser le caméraman passer parce que c'est lui qui a la lumière. Vous voyez ce couloir à peine très flippant qui mène à quelque chose d'assez drôle là-dedans. Comment? Ici, c'est sombre. Et là, ouais. Dans la même partie que l'on est, c'est l'endroit qui nous a foutu le plus les chiens. Ah ouais. Simple couloir. Ce simple couloir fait toute la différence. Ah, parce que... Un fantôme! On arrive d'ailleurs. On est derrière la porte. Nicole, ouvre! Alors moi peut-être pas avec le sac à dos, le machin, mais... Ce que vous pouvez pas voir, ce là c'est un peu un mur. En fait, dans la partie là, il y a un autre escalier qui mène à une autre partie du bâtiment. Ici, en fait, il y a un escalier qui mène à une autre partie du bâtiment. Parce que là, en fait, des fois, on est dans la cave, enfin, j'ai dit, mais c'est sale, c'est sombre, c'est humide, et ça fait flipper. Un peu comme ta mère. Ma mère ne fait pas flipper. Non. Mais elle est sombre humide. On tombe toujours sur les toits, hein. À part que mes vidéos, c'est pour de la merde. Hein. Bah, ça tombe bien, ça sent la merde. Oui. Ça sent renfermé. Ah, ça non, ça sent la fausse sceptique, ça sent la merde. Ça résonne bien ici. Hein. Ici, le plan est expliqué. Peut-être qu'on se rend compte. Mais pourquoi c'est tout ensanglanté? Oui, c'est ça. Oui, non, mais moi, c'est la question que je me pose. Hein. Oh. Est-ce que c'est une pierre rouge qui a été utilisée? Est-ce que c'est l'unité qui a coulé sur le carrelage ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait buter? Non. Je dis, un monsieur s'est fait trucider. On a découpé son cadavre, on l'a fait passer dans le tuyau. Miskin. C'est rose en fait, hein, c'est pas rouge, hein, c'est bizarre. On dirait plus à la poudre. Ah, mais alors, c'est quoi ça ressemble? Ils sont séchés, non? Oui. J'ai bossé un an en boucherie. Ils sont séchés sur une table, ça ressemble à ça. C'est très intéressant. C'est tout pour cette vidéo d'exploration urbex. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas commun comme vidéo que je peux faire sur ma chaîne. Le bâtiment, il était vraiment grand. J'espère que franchement, vous aurez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !